Vous marchez à travers les collines escarpées de la vallée de la mort sous un soleil de plomb. Après des mois de préparation pour ce voyage de rêve, vous êtes enfin arrivé à destination. Vous prenez des photos pour capturer l'instant, quand soudain, vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Votre excursion relaxante dans la nature s'est soudainement transformée en une bataille pour rester en vie. Voici comment survivre 24 heures dans la vallée de la mort. La vallée de la mort est l'endroit le plus chaud de la planète, avec des températures allant jusqu'à un record de 57 degrés. C'est un vaste désert d'une chaleur oppressante avec des vents fréquents. Et nul ne sait vraiment combien de personnes s'y perdent chaque année. Comment vous protéger de cet environnement mortel? Devez-vous boire beaucoup d'eau? Combien de barres de réseau votre portable a-t-il? La réponse est probablement zéro, car la majeure partie de la vallée de la mort n'a pas de réseau. Vous êtes isolé de tout ici. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous soucier d'être mouillé, car la vallée de la mort a connu plusieurs années sans aucune précipitation ou presque. Malheureusement, cela signifie que vous allez devoir supporter une journée complète sous un soleil de plomb, avec des températures allant de 43 à 49 degrés. Et encore, ça c'est à l'ombre. Maintenant que vous êtes totalement perdu, quelle est la meilleure façon de survivre dans la vallée de la mort? Étape 1. Ne comptez pas sur votre téléphone. Il est temps d'agir comme si vous étiez sur une autre planète, car seule une petite partie de la vallée de la mort a du réseau, comme la survivante Donna Cooper l'a appris à ses dépens. Un jeudi matin de juillet, Donna et sa fille sont passées prendre une amie pour aller visiter Scottish Castle, qui se trouve aux confins du parc national de la vallée de la mort. Elles ont eu la présence d'esprit de préparer le voyage en chargeant la voiture avec de l'eau. Après une journée harassante, Donna a utilisé son GPS pour le trajet retour. Mais ne vous fiez pas à la technologie. Le GPS l'a induite en erreur et elles se sont définitivement perdues. Elles ont tout de suite essayé d'appeler le service des urgences, mais il n'y avait pas de réseau dans cet enfer désertique. Tandis qu'elles roulaient pendant des heures sans savoir où elles allaient, elles ont eu la chance de trouver un campement abandonné avec des remorques qui les ont protégées du soleil, ainsi que des restes d'eau dans des tuyaux. Après trois jours de lutte pour leur survie sans savoir si on les recherchait, elles ont été localisées grâce à une fouille intensive des lieux en hélicoptère. Étape 2. Restez hydraté. Buvez au moins 4 litres d'eau par jour pour remplacer l'eau que vous perdrez en transpirant de façon excessive. Plus vous faites d'efforts, plus vous devrez boire. Alors, limitez vos actions et préservez votre eau autant que possible. Faites attention aux symptômes de déshydratation, comme un pouls rapide, des maux de tête, des vertiges, des crampes et des rougeurs. Étape 3. Soyez vigilant. Faites attention quand vous cherchez de l'ombre. Vous ne devriez pas vous inquiéter de vous retrouver complètement coincé, mais plutôt de tomber sur les espèces locales qui s'y cachent. La vallée de la mort abrite des araignées veuves noires, des serpents à sonnette, des scorpions et des coyotes. Soyez donc vigilants. Regardez où vous mettez les pieds et où vous vous réfugiez. Partager votre espace pourrait vous rendre encore plus vulnérable. Étape 4. Gardez votre sang-froid. Oui, rester calme est toujours important. Mais dans ce cas, il vous faut également garder votre corps au frais. La meilleure façon d'y parvenir est d'éviter de se promener après 10 heures du matin, surtout dans les zones de basse altitude qui sont les plus chaudes. Devenir noctambule pour les prochaines 24 heures serait sans doute une bonne idée. Étape 5. Signalez-vous pour avoir de l'aide. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour aider les équipes de secours potentielles. Si vous avez planifié votre séjour à l'avance et que vous vous êtes présenté à l'office de tourisme, quelqu'un fera un suivi et saura que vous avez disparu. Et si vous avez bien préparé vos sacs, vous avez sans doute une fusée éclairante que vous pouvez déclencher pour orienter les sauveteurs. Sinon, vous devez vous montrer créatif et trouver un moyen de vous signaler aux hélicoptères. Mais souvenez-vous, il vous faut participer à votre propre sauvetage, donc vous devez rester éveillé. Cela peut s'avérer difficile, surtout quand la chaleur intense vous donne autant sommeil.
Pour résister à la tentation, regardez cette autre vidéo indispensable pour savoir comment survivre sans dormir.